Hubert Auriol, vous avez participé au Trophée des personnalités organisé par Nathalie Simon. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Hier soir, j'étais très déprimé. Quand je suis revenu au clubhouse, je me suis aperçu que j'étais pas le seul dans le cas. Bon, on sait que le parcours est dur, mais hier, visiblement, on était tous, on a pris un coup derrière la tête parce que franchement, il était particulièrement dur, surtout les roughs. On le sait, mais c'était plus que d'habitude. Et aujourd'hui, on a le sourire. On a le sourire parce que, bon, comme la formule du jeu, on peut améliorer son score. On a quand même amélioré sur un certain nombre de trous, donc forcément, bah, ça fait plaisir. Une passion pour vous, le golf? C'est une passion d'abord parce que c'est un sport qui est compliqué. Donc, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est énervant. Donc, on a envie de s'y accrocher. Et puis, c'est, je veux dire, après, moi qui fais du sport longtemps, c'est une façon de rester dans le sport parce que c'est intellectuellement compliqué d'arriver à maîtriser cette petite balle avec les distances, les clubs. Et puis c'est jamais pareil, quoi. Les parcours sont jamais les mêmes, les conditions de jeu sont jamais les mêmes. Donc, c'est sympa parce qu'au moins, on a toujours l'impression de progresser un peu, et sur une opération comme celle-là, d'abord c'est génial, c'est très convivial. On joue avec des gens différents qu'on connaît, mais on n'avait pas l'habitude de jouer avec eux. Donc c'est vraiment une formule extrêmement sympathique et un moment de grande convivialité. Alors justement, le parcours difficile, hein, ce parcours du golf national. C'est un parcours qui est vraiment du niveau de très bons joueurs ou de pros. Donc pour des amateurs pas forcément très éclairés, de temps en temps il est ardu. Et quand on réussit un par, déjà on est super content parce que ça arrive pas très souvent malheureusement. Enfin, c'est déjà pas mal. Alors un mot, là je m'adresse au pilote, hein, pilote de rallye. Que pensez-vous de l'évolution du Dakar? Bah, vous savez, on en est loin là quand on joue au golf avec une météo pareille. Mais moi maintenant c'est de l'histoire ancienne. J'ai eu la chance d'avoir des années formidables, de me construire un palmarès qui est quand même sympathique. Un grand palmarès, un grand. Donc voilà, maintenant je vois ça avec un peu de distance et les choses évoluent, mais il ne faut pas regretter. Je veux dire, je crois que les courses évoluent, le monde évolue. Et nous, on a la chance de vivre le début des rallye raids et toute cette époque de rallye raids qui a été une passion, et plus qu'une passion parce que ça a été une tranche de vie. Et moi j'en garde évidemment d'excellents souvenirs et on souhaite que ça continue pour les autres. Justement, votre actualité, Hubert Auriol, aussi bien sportive que j'allais dire télévisuelle, puisque c'est vous qui avez débuté Koh-Lanta, hein, on s'en souvient. Oui, non, mais ça fait partie, je dirais, de l'ensemble des choses que j'ai pu faire pendant ma carrière sportive. Et aujourd'hui, j'ai une société de conseillers en entreprise, de coaching, d'accompagnement stratégique pour les sociétés, de marketing sportif. Donc je garde un pied dans tout ce genre d'activité. Merci en tout cas, Hubert Auriol. Merci, à bientôt.